Bonjour et bienvenue dans cette série vidéo sur les arts martiaux philippins, le Kali. Beaucoup de gens pensent que le Kali c'est un système de combat avec le bâton. En fait, c'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Le Kali et les arts martiaux des Philippines contiennent beaucoup de systèmes. Et la raison pour laquelle il y en a tellement, c'est parce que déjà les Philippines sont des îles qui sont très nombreuses et chaque île a son propre système. Et aussi, ils ont tous leur propre langage, ce qui fait qu'il y a une espèce d'impossibilité de communication souvent entre ces îles et ses habitants. Et ils ont tous développé des styles plus ou moins différents les uns des autres. Mais le Kali contient 12 systèmes majeurs. Le combat au bâton, le combat au double bâton, le bâton long, le bâton court, le kris, les épées, le kris, le philippin, comme celui-ci par exemple. Dans ce genre-là, ça peut être un kris et un couteau, le double couteau, le couteau papillon que beaucoup de gens connaissent, et toutes ces armes blanches ont aussi des variations, c'est-à-dire que quand on a compris le système du bâton, on comprend le système un peu le système du bâton long. On peut utiliser les mêmes méthodes avec des armes qui ressemblent beaucoup à des sai, aussi le nunchaku et aussi une arme très connue aux Philippines. Les Philippins ont développé plusieurs techniques de combat et plusieurs méthodes avec pratiquement tout ce qui leur a été possible de se mettre sous la main. Un mouchoir avec des pièces à l'intérieur ou des petites pierres pour le rendre un peu plus lourd et l'utiliser comme arme. Vous pouvez par exemple jeter de la poussière dans les yeux, même l'art de cracher, c'est développé aux Philippines. Donc c'est vraiment très 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 complexe et ici on en verra donc principalement le double bâton, le bâton simple, le bâton long, le bâton court, le couteau. Et évidemment on apprend d'abord la technique des armes et ensuite lorsqu'on a compris cette technique d'arme blanche, on va donc comprendre le système, comment ça marche. C'est-à-dire sans armes, on peut utiliser les mêmes techniques, sans les armes. Et donc les arts martiaux des Philippines ont aussi une technique de combat à main vide, technique de kickboxing, combat au pied, de lutte, de projection, et on en verra quelques-unes durant cette série vidéo. Dans les arts martiaux philippins, le Kali, le jeu de jambes est très important. Et on va commencer en travaillant avec le triangle femelle et le triangle mâle. Le triangle femelle, c'est quand on rentre dans la garde de l'adversaire, et le triangle mâle, c'est quand on s'évade, on s'éloigne de l'adversaire. Ici, le triangle femelle, donc les pointes sont dirigées vers mes pieds, et les bâtons vont vers l'extérieur. Je vais donc commencer par faire un déplacement sur la droite, donc je pousse la jambe droite, je reviens au milieu, je pousse la jambe gauche, latéralement par rapport au bâton à gauche, je reviens au milieu, et je continue l'exercice sur un rythme de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici, c'est quand je rentre dans la garde de mon adversaire. On va voir la pratique après avec un partenaire. Le deuxième est le triangle mâle. Donc je vais me placer cette fois-ci devant les pointes des bâtons, comme ceci. Et je vais déplacer la jambe droite en arrière. Je me replace devant, je déplace la jambe gauche, je me remets devant. Et je continue l'exercice sur un rythme de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là je m'éloigne de son attaque. Donc vous avez maintenant la pratique avec les triangles, les bâtons au sol, le triangle femelle, le triangle mâle. Vous en travaillez avec un partenaire cette fois-ci, il va me servir avec l'angle numéro 1, ensuite l'angle numéro 2. Et toujours sur ces deux angles, je vais travailler les évasions latérales à l'intérieur de sa garde. Donc je vais donc rentrer à l'intérieur de sa garde. En soit l'angle numéro 1, je fais un tour avec la jambe droite en avant, je m'éloigne du bâton
sur le côté, tout simplement. Je reviens à ma place, il y a un cerveau numéro 2. Je déplace la jambe gauche. Je rentre à l'intérieur de sa garde sur l'extérieur. Je reviens sur la garde. Il sert un peu de phalange numéro 1. Je rentre dans sa garde à l'intérieur. Une éloignée latérale intérieure. Je reviens. Je reviens. Je continue à servir donc et je travaille. Maintenant, nous avons vu l'application du triangle femelle. Quand je rentre à l'intérieur de la garde de mon adversaire, je vais travailler le retrait, je vais sortir à l'extérieur. Je vais donc faire un pas en arrière. Sur le numéro 1, je fais un pas en arrière à l'intérieur de sa garde pour éviter le coup. Je reviens sur ma garde. Sur le numéro 2, je fais, en bougeant la jambe arrière, je sors sur l'extérieur de sa garde en bougeant la jambe arrière. Faisant un pas en arrière. Un retrait, je reviens et ensuite. Il continue à se servir. 1, 2, 3. Ce jeu de jambes est très important parce que ça va servir pour tous les mouvements qu'on allait faire juste après. Dans le Kali, les systèmes numériques, les angles d'attaque sont différents selon les styles et les systèmes. Étant donné qu'il y a énormément de styles, il y a donc différents systèmes numériques. Et ici, on va travailler un particulièrement. Donc je vais vous d'abord montrer sur place, sans partenaire, les angles. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième. Encore une fois. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, 12. Voilà, vas-y. Comme je vous disais donc tout à l'heure, les systèmes numériques sont nombreux selon les styles et les systèmes. Ici, on va en étudier un seul en particulier, on va l'utiliser de 1 à 12. Mais certains systèmes vont jusqu'à 36 angles différents d'attaque. Okay, donc je vous montre encore une fois avec un partenaire donc, les 12 différents angles d'attaque qu'on va utiliser dans la série et dans la prochaine vidéo. Mais dans certains exercices, on va l'utiliser différemment. Le premier et le cinquième, jusqu'au cinquième, seront différents et je vous montrerai ultérieurement. Alors donc de 1 à 12, le premier, temps gauche. On remonte sur la jambe droite, on remonte sur la jambe gauche, la jambe droite, le cinquième, je traverse, sixième, la hanche droite, septième, la hanche gauche, huitième, traverse le pectoral gauche, neuvième, sur le pectoral droit, dixième, par-dessus la tête. 11e, je remonte. 12e, je remonte. Encore une fois, 1 à 12. 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les distances en calé sont très importantes et elles sont au nombre de 3, la distance éloignée, la distance moyenne et la distance très rapprochée. La distance éloignée, c'est celle où, par exemple, quand mon adversaire me sert l'angle numéro 1, où je peux frapper la main ou frapper le bras, mais je n'ai pas encore accès avec la main libre, je ne peux pas encore toucher ni son bras ni sa main. Je peux toucher son bâton, mais je ne peux ni toucher sa main ni toucher son bras. Encore une fois, ça c'est la distance éloignée. La deuxième distance, c'est celle où, quand il frappe le même angle, je peux frapper la main avec le bâton, mais aussi je peux, on appelle checker, je peux la toucher, je peux l'accrocher, ok. Je peux frapper le corps, la jambe, la tête. La distance rapprochée, ce qu'on appelle le close quarter, c'est celle où mon pognon, c'est-à-dire la pointe de mon bâton peut frapper, mon coude peut frapper, mon coude peut frapper, mon genou peut frapper, mon genou avant, mon genou arrière. Je peux aussi faire des chops, ce qu'on appelle des chops. Je peux faire des clés. Je peux faire tout un tas de choses que je ne peux pas faire ni en distance éloignée, ni en distance moyenne. Dans la distance moyenne, je peux aussi, comme je peux checker, donner des coups de pied également. Mais je ne peux pas donner encore le coup de genou. Je ne peux pas encore donner de coup de coude. À mon avis, la technique la plus. La distance la plus intéressante est la distance moyenne où je peux frapper, checker et désarmer. Je répète encore une fois, la première distance. Distance longue, distance moyenne, distance rapprochée. Différentes façons de tenir son bâton dans le cali, ok. Certaines personnes le tiennent de cette façon, c'est-à-dire qu'ils laissent la distance d'une main, qu'ils tiennent de cette façon, ils laissent ce qu'on appelle le pugno. La raison pour laquelle ils préfèrent cette façon, parce qu'avec ça, ils peuvent donc frapper, toujours sur un attaque numéro 1, ils peuvent bloquer, frapper, utiliser le pugno pour frapper, en revers, de cette façon. Ils peuvent aussi accrocher les bras, ok. Pour le désarmement, parfois, on verra plus tard que pour le désarmement, c'est aussi très efficace. Okay, donc ils utilisent cette façon une arme supplémentaire. On peut utiliser son pugnot pour le désarmer. Il y a deux façons de frapper dans le kali. La première c'est Wittig, quand on frappe et qu'on rétracte. La deuxième c'est Loptig, quand on frappe et qu'on traverse. Ici on va travailler simplement le Wittig. Et mon partenaire va me servir de 1 à 5. Et on va utiliser un système numérique différent, plus simple, de façon à ce qu'on peut se travailler rapidement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Je vous montre une fois en regardant la caméra, de façon à ce que vous puissiez voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier sur la tempe gauche, tempe droite, la hanche gauche, la hanche droite, traversée. Alors, mon partenaire va me servir, je travaille le Wittig. Frapper, rétracter, 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5. Sur les numéros 5, il y a deux façons de le faire. On peut soit s'échapper sur l'intérieur de sa garde ou sur l'extérieur. Dans la pratique, on frappe le bâton qu'on vient de voir. Vous entendez, à chaque fois que vous entendez le clic, en réalité, c'est sur la main que je vais frapper. Mais évidemment, avec le bâton, je ne vais pas frapper mon adversaire, plutôt mon partenaire, donc je frappe le bâton. Mais dans la réalité, c'est toujours la main qu'on va chercher. Donc, pour pratiquer sans danger, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser un bâton en mousse. Okay, ce qui va permettre d'être plus près de la réalité. On va pouvoir frapper plus vite, un tout petit peu plus fort, mais sans danger pour mon partenaire.
Nous allons faire la même chose de 1 à 5 et je vais utiliser cette fois-ci un bâton en mousse. Et cette fois-ci, au lieu de frapper le bâton, okay, je vais frapper le bras de l'adversaire ou la main de l'adversaire selon la distance. Vas-y Francis. 1, 2, 3.